soyez votre propre dentiste. Voici comment supprimer l'accumulation de tartre. Le tartre ou le calcul est une plaque durcie qui se forme sur vos dents et sous le rebord gingival, et qui peut irriter les tissus des gencives. S'il n'est pas traité, il ne s'agit pas seulement d'un problème esthétique, mais il peut également entraîner des états plus graves, notamment des caries et des maladies des gencives. Si vous remarquez une couleur jaune ou brune sur vos dents ou vos gencives, cela indique que vous avez du tartre. Heureusement, nous avons pour vous des astuces naturelles et efficaces à faire chez vous pour éliminer et prévenir l'accumulation du tartre sur vos dents. L'accumulation du tartre est un problème dont souffrent beaucoup de personnes, et peu de gens arrivent vraiment à le traiter. Voici des astuces à faire à la maison pour éliminer et prévenir naturellement l'accumulation du tartre. Comment prévenir l'accumulation du tartre? Une bonne hygiène buccale est essentielle non seulement pour la prévention du tartre, mais pour maintenir votre santé bucco-dentaire. Il est donc primordial d'utiliser du fil dentaire régulièrement, de se brosser les dents en mouvements verticaux au moins 2 fois par jour avec une brosse à dents douces, de frotter vos dents avec de l'écorce d'orange avant de vous coucher, de consommer du fromage suisse ou cheddar avant les repas et de frotter vos dents avec des tomates ou des fraises. Remède naturel pour le tartre. Vous devez mélanger une tasse de peroxyde d'hydrogène avec un / 2 tasses d'eau chaude. Ensuite, rincez-vous la bouche pendant 1 minute. Crachez et finir avec le rinçage avec un / 2 tasses d'eau fraîche. Le bicarbonate de soude est un ingrédient incroyable et polyvalent, qui neutralise les acides dans la bouche, réduit un certain nombre de bactéries nocives et blanchit les dents. Ce que vous devriez faire est de combiner une cuillère à soupe de bicarbonate de soude avec une demi-cuillère à café de sel dans une tasse. Ensuite, rincez la brosse à dents avec de l'eau chaude et plongez-la dans le mélange. Brossez-vous les dents et crachez. Assurez-vous de vous brosser les dents pendant 5 minutes. Bain de bouche à l'huile. C'est une autre méthode puissante qui favorise la santé bucco-dentaire et aide à éliminer le tartre des dents. Vous devez utiliser de l'huile de noix de coco extra vierge car elle est riche en acide laurique qui a des effets anti-inflammatoires et antimicrobiens. Prenez 1 cuillère à soupe d'huile de noix de coco extra vierge et glissez-la dans votre bouche pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, crachez-le et brossez-vous les dents comme d'habitude. L'aloe vera est un antimicrobien qui élimine les bactéries de la bouche et élimine la mauvaise haleine. En outre, il enlève le tartre de vos dents en les laissant impeccables. Pour l'utiliser comme remède naturel contre le tartre, prenez la pulpe d'une feuille d'aloe vera et frottez-la directement sur vos dents et votre gencive. Laissez agir 10 minutes puis rincez à l'eau froide. Le charbon actif est un autre remède naturel pour se débarrasser du tartre. C'est un composé qui permet d'éliminer le tartre, de blanchir les dents et de prévenir des maladies buccales. Même si vous remarquez sa couleur noire, le résultat sera tout le contraire. Vous devez vous assurer que le charbon que vous allez utiliser est d'origine végétale, et qu'il n'est pas extrait du pétrole. Brossez-vous les dents en appliquant un peu de charbon actif sur votre brosse à dents. À l'instar du bicarbonate de soude, le charbon n'est pas à utiliser de manière excessive, afin de ne pas endommager votre émail.